أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le clément, le miséricordieux, qu'Allah soit loué à la manière des gens reconnaissants, exalté soit-il, et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager digne de confiance. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui en abondance, ainsi que sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Chers frères et sœurs, soyez encore une fois salué par la plus noble des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut, sinon que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Nous sommes aujourd'hui dans notre lancée habituelle sur le thème des maux de l'humanité, les fléaux qui s'abattent sur l'humanité, le mal que l'humanité traverse. Aujourd'hui, plus que jamais, ce que nous avons commencé à dire, que nous tirons du Coran et des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous avons dit plus haut et plus loin, voici que la réalité dans les faits, la réalité au quotidien vient nous édifier, mais hélas, tristement, amèrement, puisque nous l'avions dit, attentat, attaque, frayeur, terreur, acte kamikaze, barbarie de toutes sortes, explosion, désordre, insécurité, cruauté, violence de toutes sortes, j'en passe. Tels sont les termes les plus couramment utilisés de nos jours, mais surtout les plus fréquemment attribués comme qualificatifs ou comme des actes imputés, à tort d'ailleurs, à notre belle religion, l'islam et les musulmans. Dans un premier temps, nous saluons la mémoire des véritables martyrs au sens propre du terme islamiquement parlant. Nous saluons la mémoire des martyrs qui sont tombés pendant ces événements des derniers jours, notamment
la confrontation entre les Palestiniens, nos frères musulmans, et les Israéliens, les Juifs. Il faut dire que, en tant que musulmans, nous condamnons fermement toutes sortes de violences, toutes sortes de corruption, de désordre, d'anarchie. Nous allons toujours nous opposer à cela, puisque cette belle religion qu'est l'islam tire son origine de la paix et aussi son noble nom dérive de la paix dans sa quintessence, du pacifisme par excellence, de l'harmonie dans sa substance et du bon vivre dans tout son sens. C'est ça l'islam. Ne nous trompons pas, l'islam n'est pas une religion de violence, ni de haine, ni de désordre. Et donc, nous voudrions dire que les représentations radicales, les clichés et autres caricatures qui sont faits de l'islam au cours des dernières années permettent de bien comprendre comment ces images ont a priori négativement influencé, façonné et même conditionné l'opinion publique à l'encontre de l'islam. Et cela est bien voulu, savamment orchestré, alors qu'il n'en est rien. Dans notre intervention, ça va se savoir et ça va se comprendre. Pour dire que l'on a toujours voulu présenter l'islam comme une religion de violence, de cruauté, de barbarie, de terreur et de terrorisme. Oui, à coup médiatique, à travers un matraquage médiatique, avec des armes de communication, alors que des gens même connaissant à peine cette religion, l'islam, méconnaissant fortement ses nobles principes et ses fondements salutaires, voilà que ceux-là, à peine découvrant l'islam, entretiennent déjà l'idée que l'islam est une menace pour leur vie et leur culture, et que par-delà, les musulmans sont différents de ce que les membres de leur société, à eux, devraient être. C'est voulu, c'est savamment orchestré, organisé par les ennemis de l'islam, d'où qu'ils soient et d'où qu'ils sortent. Mais nous disons, à travers donc cette campagne médiatique contre l'islam, les musulmans et l'islam sont depuis lors victimes d'attaques médiatiques intempestives, d'une terreur morale, victimes d'une terreur morale et sociétale. Les musulmans et l'islam sont victimes d'une haine viscérale sans précédent, d'une conspiration alimentée et manipulée par des mains occultes. Oui, nous le disons haut et fort. Le nouvel environnement d'horreur et de violence vécu ici et là dans le monde ne vient que comme un prétexte, comme une crème pour conforter les détracteurs et autres ennemis de cette noble religion dans leur logique d'hostilité et de diabolisation de l'islam, de discréditation
de décrédibilisation de la dernière religion révélée d'Allah Ta'ala. Il y a tout un investissement, une mobilisation, je dirais mondiale, internationale, une coalition anti-islam. Mais nous voudrions d'abord nous intéresser sérieusement à la représentation caricaturale de l'islam, notre belle religion, dans les médias. En fait, à y voir de près, la couverture médiatique des questions relatives à l'islam a considérablement changé, tant en quantité qu'en qualité, depuis le début du nouveau millénaire, eu égard à certains événements survenus ici et là dans le monde. En effet, plusieurs événements malheureux des derniers temps ont tristement propulsé la religion musulmane au devant de la scène mondiale. Il faut le dire clairement, nettement et en toute réalité, la présentation de l'islam et des musulmans a radicalement et surtout négativement changé, aussi bien dans les médias d'information que dans les médias de divertissement. L'islam a depuis longtemps été initialement attaqué à tort pour ses idéaux et ses valeurs mal connues qui voudraient s'opposer au libertinage, à la perversité que voudrait nous offrir le monde. Et le seul contrepoids, le seul écran, la seule barrière, le seul obstacle face à ces dérives, c'est l'islam. Et du coup, qui devient la bête noire. Et pour en venir aux actes de violence qui ont cours dans le monde, en général, dont nous disons qu'ils tendent à mettre injustement, à mettre en mal l'islam et la communauté musulmane dans le monde, que ces événements-là, dans leur manipulation et traitement communicatif, médiatique, vise à discréditer cette religion et ses adeptes. Mais, en parlant de l'événement actuel qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens, nous disons que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a une injustice manifeste bien orchestré qui s'organise autour du peuple palestinien contre le peuple palestinien. Il y a une injustice, ce sont nos frères musulmans. On nous fait croire que c'est une guerre de territoire ou encore que c'est une guerre politique. Non, nous ne rentrons pas dans la politique. C'est purement et simplement une guerre idéologique, religieuse. C'est l'Occident qui, à travers les Juifs d'Israël, voudrait anéantir l'islam, voudrait exterminer l'islam et les musulmans, tout simplement. Nous ne soutenons aucun acte de violence, quel qu'il soit. Rien ne justifie la violence en islam. Rien ne soutient la violence en islam. Et nous compatissons à la douleur du peuple juif, du peuple israélien. L'islam n'est pas la religion de la terreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu en bonne intelligence, en bonne cohabitation avec les juifs et les chrétiens de son temps, quand bien même le règne, le pouvoir était détenu par les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le chef suprême de l'État musulman de son temps.
Le règne, l'autorité, le pouvoir, la puissance étaient entre les mains des musulmans. Mais ni les juifs, ni les chrétiens n'ont été inquiétés du temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ni par lui, ni par ses collaborateurs, ni par la communauté musulmane. Ils ont été non seulement respectés dans leur foi, mais protégés aussi. Et mes endroits du Coran font allusion à ça. Au point même que, même pendant la guerre, il est interdit de démolir les lieux de culte des non-musulmans, c'est-à-dire les monastères, les églises, les temples. Il est interdit de les démolir. Le Coran fait allusion à ça. Donc, la communauté juive et chrétienne ont vécu avec la communauté musulmane du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans que les uns empiètent sur les autres. Donc, la cohabitation, la coexistence, le voisinage s'est fait en bonne intelligence, en toute humanité, en tout humanisme. C'est la même chose qui est demandée purement et simplement aux Israéliens. C'est justement la même chose qui est demandée aux puissances, entre guillemets, soi-disant puissances du monde. Mais ce n'est pas le cas. Parlant du conflit territorial qui n'est qu'un prétexte, mais le Coran nous dit ici, quand tu prends le Coran, en son chapitre 5, et verset 79, sinon verset 78 à 80, Allah parle de l'exode du peuple juif, compte tenu du temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous y reviendrons, Inch'Allah. Mais Allah dit que le peuple juif allait errer sur la terre. Si vous prenez le Coran, chapitre 5, verset 77, sinon 78 à 80, Allah fait allusion à eux. On prend encore le Coran, chapitre 5 encore, verset 21 à 26, Allah fait allusion à ça. Au point même que Allah dit donc à ceux-là, au chapitre 5, verset 26, Allah leur dit, « Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. » J'en passe. Parce qu'ils ont désobéi à Allah. Ils ont réveillé, suscité la colère, le courroux d'Allah contre eux. Et Allah a même dit dans le Coran qu'ils ont été maudits par David, dont l'étoile apparaît sur leur drapeau, l'étoile de David, et par Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Maryam, alayhi salam. Allah dit dans ce Coran, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بِنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Chapitre 5, verset 78, Allah dit ceci. Allah dit, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ça a été dit longtemps dans le Coran. C'est un peuple arrogant, hautain, transgresseur. Et le Coran nous le dit, chapitre 5, verset 78. Au point qu'ils aient été maudits depuis longtemps par David, paix sur lui, et plus loin et plus près, après David, combien de prophètes et messagers sont passés? Et ils étaient encore dans cette malédiction jusqu'à Jésus, fils de Marie, paix sur lui et sa mère. Allah le dit dans le Coran.
ils ont été maudits pour leur transgression. Et cette malédiction les a poursuivis. Allah a parlé de 40 ans. 40 ans, dans le langage divin, ça peut aller même dans l'éternité. Et cela s'est avéré avec l'avènement du nazisme que nous ne soutenons pas. Et cela a entraîné ce qu'on appelait la Shoah, parce que la malédiction les suivait. Et la Shoah, qui a vraiment été catastrophique, et même en font allusion, Hitler avec ses sauvageries, mais le mot diaspora est venu à partir de l'exode, de la dispersion des Juifs à travers le monde. Parce qu'ils ont désobéi à Allah et Allah leur a fait goûter à leur désobéissance en les faisant errer dans le monde. Et c'est ce qui a créé le mot diaspora. La diaspora, c'est l'éparpillement, la dispersion, la dislocation du peuple juif, leur dispersion à travers le monde entier. Et pour être un peu bref, ce n'est qu'en 1948, avec la complicité des Anglais, des Britanniques et des États-Unis, il a été demandé au peuple palestinien. La Palestine n'a pas commencé à exister aujourd'hui ni hier. La Palestine existe depuis longtemps. Issa Boul Mariam, paix sur lui, Jésus, fils de Marie, paix sur lui et sa mère, est né dans cette même région de la Palestine, avec Bethléem et autres. Donc, la Palestine n'est pas un territoire nouveau, et ce territoire a toujours été aussi occupé par les peuples arabes et juifs, israélites. Mais quand les Arabes étaient sur leur territoire, Allah ayant fait en sorte que les Juifs ont erré, avec l'histoire récente avec Hitler et autres, la diaspora étant venue, le peuple juif était traqué et était dispersé dans le monde. Donc les Arabes étaient tout simplement sur leur territoire. Et l'occupation s'est faite de sorte qu'ils ont dû occuper ne serait-ce qu'une partie de la place que les Juifs auraient dû occuper, mais qui était à l'errement. Mais quand, en 1948, les États-Unis et puis l'Angleterre et d'autres ont voulu qu'ils reviennent de leur diaspora, on les a regroupés pour pouvoir les ramener vers cette terre, en 1948, ça a été une négociation avec le peuple palestinien qui a accepté de les recevoir dans la paix, avec beaucoup d'amour. Et on a créé un petit territoire pour eux, pour les installer, avec l'accord des Palestiniens. Et aujourd'hui, les Occidentaux, détestant l'islam, étant donné que le peuple palestinien est arabe, et donc on leur colle le cliché de l'islam, alors qu'il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes juifs, il y a des Arabes polythéistes. Tous les Arabes ne sont pas forcément musulmans. Il y a des Arabes polythéistes, mécréants, juifs, chrétiens, et puis maintenant musulmans. Mais le cliché, la caricature étant, donc tous les Arabes ont été taxés de musulmans, et comme l'islamophobie est là, donc il faut opprimer tout le peuple arabe qui est sous le vocable musulman. La mosquée, la troisième mosquée, celle de l'islam, est prise en otage, sous contrôle juif. Est-ce que c'est normal? La gentillesse des Arabes leur retombe dessus. On donne tous les pouvoirs au peuple juif qui n'est même pas nombreux, 6 millions de personnes seulement, contre un peuple arabe qui est immense. Et on leur donne la domination, tous les moyens pour dominer, eux qui sont arrivés. Maintenant, ils prennent le dessus sur le peuple arabe
Et on parle de deux territoires, deux capitales. Les Américains s'opposent à ça au grand dam de tout le monde entier. Les Juifs violent, Israël viole toutes les résolutions de l'ONU. Impunément. Et personne ne réagit. On leur donne les moyens de, je dirais entre guillemets, posséder les Arabes et leur territoire. Quelle injustice. Vous voyez, quand quelqu'un est trop reclus, trop opprimé, ça peut l'amener à d'autres choses. On n'en avait pas besoin, ce carnage qui est en cours là. On n'en avait pas besoin. Mais la faute revient aux Occidentaux, à la communauté internationale. Parce que ils ne veulent pas dire la vérité. Sinon, il y a quel mal à permettre qu'il y ait une cohabitation, une coexistence, un voisinage pacifique. Comme les Arabes ont accepté en 1948 que l'État d'Israël soit créé, un tout petit État, à côté d'eux. Et aujourd'hui, ils sont brimés, ils sont persécutés, personne ne parle. Mais la Russie s'en prend à l'Ukraine, tout le monde se mobilise. Mais la guerre d'Ukraine est venue trouver les Palestiniens opprimés, torturés, injustement victimes. Et maintenant, eux, nourrissant la haine maintenant, artificiellement créée en eux, se voient, eux, ils se voient dans la légitimité de réagir. Et aujourd'hui, tous les médias occidentaux nous font savoir que les Blancs veulent se liguer pour soutenir Israël contre ce peuple. Mais au lieu de voir les conséquences aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pris la peine de voir qu'est-ce qui est à l'origine de ceci? Parce qu'on ne combat pas un pour éliminer un arbre, ce n'est pas la racine, la cime qu'on coupe, ni les feuilles, les branches, mais c'est la racine. On déracine. Il faut déraciner le mal. Il faut enlever le mal, extirper le mal à sa racine. Qu'est-ce qui a créé le mal d'aujourd'hui? Au lieu de voir les résultats, les conséquences aujourd'hui, les effets d'aujourd'hui, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a créé ça? Le monde, en toute équité, en toute justice, doit pouvoir s'asseoir pour dire d'abord, qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que les Arabes ou les Palestiniens, est-ce qu'ils sont assoiffés de sang? Est-ce qu'ils sont sanguinaires? Est-ce qu'ils sont cruels? Est-ce que c'est une distraction pour eux? Est-ce que c'est un jeu pour eux d'aller s'en prendre à des peuples? Surtout quand ils savent qu'eux-mêmes vont perdre la vie, vont mourir. Et quand ils savent que le peuple d'Israël est transgresseur, il y aura des représailles. Ils savent ça. Mais est-ce qu'ils vont se lever comme ça dans leur tranquillité, aller mettre leur paix en jeu? Non. Sûrement, ils ont été poussés à bout. Mais les Occidentaux n'ont qu'à reconnaître leur échec. Et même là, ils ont le culot de dire que, regardez, Israël viole toutes les règles d'humanité et d'humanisme. Toutes les règles de guerre. C'est-à-dire, la guerre a ses règles, mais tout est violé. Et ils sont surarmés encore par les Occidentaux, parce qu'on veut en finir. Mais si Allah tient ton orteil, le monde entier s'agrippe à tes jambes pour te terrasser, si Allah tient ton orteil, tu ne tomberas pas. Nous ne soutenons pas la violence, ni la terreur, ni le terrorisme. Mais nous soutenons la justice et nous combattons l'injustice, l'inéquité. Et c'est ça qui est flagrant contre le peuple palestinien. Et regardez, il faut un blocus total alors que l'ONU même, l'organe chargé des droits de l'homme au sein de l'ONU, j'ai la capture d'image ici, comme le temps n'est pas suffisant, parce que je dois projeter un élément tout à l'heure. Mais l'ONU même admet, à travers son organe chargé des droits de l'homme, que le blocus total que Israël impose à l'heure actuelle là, à Israël, est interdit par la
par le droit international humanitaire. C'est comme ça que ça a été écrit. Le blocus total imposé par Israël à la Palestine en ce moment-là est interdit, n'a même pas dit contraire, est interdit par le droit international humanitaire. C'est l'ONU qui a fait cette déclaration hier, à travers son organe chargé des droits de l'homme. Mais on sait ça, qu'est-ce? Et puis l'Amérique, qui se croit patron de l'ONU, continue d'envoyer des navires de guerre, des armements, donc une manière d'exterminer. C'est un génocide. Au lieu de donner les moyens à Israël de venir en représailles aux Palestiniens, tous ces moyens-là pouvaient être utilisés en amont pour dire il y a deux capitales, Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest. Côté juif, côté musulman avec la mosquée. Ça coûtait quoi? L'islam veut la paix, l'islam c'est la religion de paix. Le prophète sallam n'a pas opprimé les juifs, il n'a pas opprimé les chrétiens, il a vécu en bonne intelligence. Et les Palestiniens ne se sont jamais levés d'eux-mêmes pour faire quoi que ce soit. Non, ils ont été poussés, on continue de coloniser leur terre. Jénine est colonisée, Jénine. La Cisjordanie est colonisée. Même Israël allait prendre le plateau de Golan, des mains de la Syrie, une partie de la Syrie. Ils ont arraché ça. Un petit territoire qu'on leur a donné en 1948. Regardez, ils ont étendu leur pouvoir et leur territoire avec transgression et injustice au grand jour, aux grandes dames aussi des puissances occidentales aujourd'hui qui sont en train de mobiliser, de déployer les grands moyens pour leur dire continuer. Donc, aujourd'hui, encore, ils tiennent le double langage de dire que non, on crée un embrasement général, on crée une guerre ouverte. En même temps que vous craignez ça, vous favorisez ça en dessous. Mais qu'est-ce qui a créé cette guerre? C'est une guerre idéologique entre les juifs et les musulmans. Et j'ai dit, plus loin, j'ai dit, il y a trois conflits qui finissent pas vite. Évitons de réveiller les conflits. Conflit identitaire, ça finit pas vite. Conflit religieux, ça finit pas vite. Et puis conflit territorial, ça finit pas vite. Les gens sont prêts à se sacrifier, à mourir pour ces conflits. Prenons garde. Les Occidentaux sont à la base de cette guerre parce qu'à un moment donné, il était question de faire deux capitales et puis on en a fini. Mais les Américains sont allés plutôt remettre tout à zéro pour donner Jérusalem dans son entièreté aux Juifs, à Israël, alors que c'est aussi une des capitales de l'islam. C'est des pompiers pyromanes à la fois, la communauté internationale. Et nous, en tant que musulmans, nous soutiendrons nos frères, nous prierons pour eux. De la même manière que ouvertement, eux, ils prient et ils soutiennent Israël dans le faux flagrant que tout le monde entier voit, dans l'injustice flagrante, nous avons le courage de dire qu'Allah aide nos frères palestiniens, qu'Allah les soutienne, qu'Allah les élève, en même temps qu'Allah les apaise, qu'Allah donne sa miséricorde, son pardon à tous ceux qui sont morts et qu'Allah fasse que les innocents des deux camps soit soulagé, soit élargi, soit réconforté. Nous voudrions la justice, l'équité. Normalement, un débat, un conflit religieux doit se faire sur le terrain, doit se traiter sur le terrain intellectuel et non des armes. Mais hélas, qu'Allah nous aide, on ne peut pas confisquer la mosquée des musulmans et qu'on va rester sans prier Allah. Sur ce, nous allons nous arrêter. Mais nous allons projeter en 9 minutes un élément qui ne vient pas de nous, ni de moi-même personnellement. Si c'était un musulman qui faisait ça, on dirait que c'est biaisé. Mais écoutons ceci qui ne date même pas d'aujourd'hui. Ça vaut plus de 10 ans que cet élément a été fait. Mais que je vais vous laisser suivre pour terminer mon intervention. Et c'est ça qui va clore l'intervention du jour. Mais sur ce thème, nous reviendrons. Et nous allons donner la position de l'islam face à la violence, face à la terreur. L'islam condamne ça sous toutes ses formes. Il n'y a pas de justification. Salam alaykoum wa rahmatoullah.
raconte Dracula. En réalité, le problème n'est pas... La chose intéressante, n'est pas ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qu'on cache. C'est que au Moyen-Orient, les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, les États-Unis? Il y avait un premier ministre qui a démocratiquement dit un jour, 53, le pétrole, tout va dans les poches des multinationales, il faudrait quand même que ça profite un petit peu à mon peuple aussi. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Coup d'État renversé. C'était Mossadegh. Voilà, c'était Mossadegh, exactement. Et à la place, on a installé la dictature militaire du Shah d'Iran. La police politique, la SAVAK, a torturé, emprisonné, assassiné des dizaines de milliers de gens. Ça, c'est la démocratie des États-Unis en Iran. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massive. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence, parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran des armes pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc, l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leur terre, qui viole toutes les résolutions des Nations Unies, l'Israël... Non mais qu'est-ce qui se passe en Iran, Jardoui? Non mais enfin, vous dites n'importe quoi. Vous expliquez qu'il y avait à Shabak... Non mais enfin, c'est terminé, Michel Collomb. On ne peut pas laisser passer des énormités pareilles. Non, mais vous avez dit des énormités, mais j'étais poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. Oui. En essayant de m'interrompre, vous donnez l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Je vous assure que je suis très calme là-dessus. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Alors. Par politesse envers les spectateurs. Allez-y. Non, enfin, que la SAVAK n'existe plus, c'est quand même un peu énorme. Israël bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leur terre. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice, c'est aussi simple que ça. Cancel. Pour un petit rappel, la situation de l'Iran et des bases américaines qui l'entourent, c'était dans le dessous des cartes, l'émission de Jean-Christophe Victor. Je vous invite justement à regarder la carte. Depuis novembre 2001, avec la traque des réseaux Al-Qaïda, le pays constate l'installation de facilités militaires américaines au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Elle complète au sud les bases américaines dans le Golfe. À l'est, en Afghanistan, l'Iran est maintenant débarrassé du régime taliban qu'il a toujours combattu, mais ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable, et il y a maintenant à Kaboul un gouvernement central mis en place par les États-Unis. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est totalement écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement, apparemment pro-américain, et les adhésions profondes de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. Enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Avec la fin de la dictature de Saddam Hussein, le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran, mais s'installe à la place un régime là aussi favorable aux intérêts américains et qui permettra à terme la présence de bases militaires américaines. Donc notre carte le montre bien, l'Iran est encerclé par des pays désormais proches des intérêts américains. Faber, vous voulez ajouter quelque chose sur l'image de l'Iran encerclé par les bases américaines? En fait, c'est encerclé. Vous voyez la carte, il y a deux armées, grandes armées américaines à la frontière, et c'est Bush qui a menacé beaucoup de fois l'Iran. C'est en fait les États-Unis peuvent attaquer l'Iran. Il y a, comment dirais-je, une paranoïa alors, de la part des Iraniens. Justement, alors, paranoïa de la part des Iraniens qui ferait suite aux menaces nombreuses des Américains. On se souvient que les Américains avaient d'ores et déjà menacé l'Irak avant de l'envahir. On a entendu George Bush avant-hier dans son discours de sortie, comme on les appelle, reconnaître une erreur, ce serait d'avoir cru le renseignement en 2003. On va écouter tout de suite George Bush se confessant. I mean, the biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line. They said, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. Wasn't just people in my administration, and that's not a do-over. I wish the intelligence had been different, I guess.
Vous y croyez, Georges Bush, victime du renseignement américain, vous avez été chef de la CIA? Il ment, 100%. Parce que j'étais chef de renseignement de la CIA. Jusqu'en 1995, vous n'étiez plus... Il n'y a pas de renseignement. Et il y a un type qui est venu en Jordanie qui a dit, c'est Saddam Hussein qui a détruit tous les armes nucléaires et tout. Il ment. Monsieur Colon, Bush a menti effectivement avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions et des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler les pétroles et il a obligé les services de renseignement à déposer de faux rapports. Donc, quand on dit que les États-Unis viennent au Moyen-Orient parce qu'on les invite, je ne sais pas si le régime saoudien ou le régime koweïtien a tellement d'indépendance qu'il pourrait décider, tiens, invitons les États-Unis, soyons sérieux, c'est des marionnettes. Et donc, quand les États-Unis disent invitez-nous, ben ça se passe. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flic dans la région, sert de gendarme, parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, c'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices. C'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent « il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. » Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde et qu'ils veulent le contrôler partout. Un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte. Et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Donc Israël, il sert juste de flic dans cette stratégie-là. Il n'est pas très généreux, parce qu'en réalité, les États-Unis ont essayé d'empêcher l'approvisionnement de la Chine en pétrole et en gaz, et de contrôler le pétrole et le gaz de la mer Caspienne et de l'Asie centrale. Et donc, contre la domination des États-Unis sur le pétrole dans le monde entier, parce que ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres économiques, ce sont des guerres pour le fric, il faut le dire. Contre cette domination, il y a maintenant en Asie un phénomène nouveau et important, c'est que la Russie, la Chine et une série des républiques d'Asie centrale se sont unies dans l'organisation de la coopération de Shanghai, qui est un phénomène très très important, avec l'Inde, l'Iran, etc., le Pakistan, je crois, comme observateur. C'est-à-dire que l'Asie en a marre, que les États-Unis prétendent dominer partout où ils sont et prétendent dire... Bien, je pense que nous allons devoir arrêter ici. L'essentiel pour nous, c'était de voir un peu la manigance, au fait, qu'il y a autour de cette histoire. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah aide tous ceux qui voudraient voir cette crise, ce conflit prendre fin, qu'Allah les aide tous dans leurs différentes démarches, médiations, négociations, et qu'Allah fasse que la vérité triomphe, que la justice règne et que l'islam continue son envol, son avancée et sa percée. Nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala, dans les jours à venir et développer le caractère pacifique, humain de l'islam. Je le dis, je le répète, l'islam condamne la violence, la terreur, le terrorisme, la cruauté sous toutes ses formes. Rien ne justifie cela. Mais pour ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est quelque chose qui date de très longtemps, mais qui tire son origine de l'injustice. Sinon, deux États indépendants, l'un n'empiéterait pas sur l'autre. Parce que deux États indépendants, ce sont deux États souverains, l'un allait respecter l'autre. Mais si on donne l'autorité à un et que l'autre est sous tutelle et qui est brimé, qui est persécuté, qui est piétiné, qui est massacré, l'air même à respirer
dépend d'Israël. Aujourd'hui, Israël a coupé l'eau, le gaz et l'électricité. Ils sont allés mettre du béton dans le forage. Est-ce que c'est humain, ça? C'est inhumain. Aux grandes dames de la communauté internationale, on leur coupe l'eau, le gaz et l'électricité et ils sont bombardés. Ça, c'est contre les règles de guerre dans le monde. Mais personne n'en parle. Donc, il y a une injustice qui date de très loin, de très longtemps. C'est ce qui a poussé le peuple palestinien à se révolter de la sorte, même si nous ne soutenons pas l'effusion de sang. Mais ça peut se comprendre. Et les grands fautifs, c'est la communauté internationale et les États-Unis, les Occidentaux, qui sont foncièrement islamophobes. Nous allons nous arrêter ici. Salam alaikum wa rahmatullah.